ça serait pas mieux de travailler un peu, hein? Oh! Mousse! Hein? Travaille un peu! Mais je travaille là, attends! Mais t'as un spectacle, Mousse, à écrire! Mais arrête! Mousse, sérieux! Mais Mousse, hey, elle n'aura jamais fini! Oh ouais, c'est vrai! Bon, allez, va écrire! Bon, j'y vais! Tout à l'heure! Et demi. Je comprends pas, je n'ai pas d'inspiration. Je comprends pas, ça devrait venir avec tout ça, les bateaux, la mer. Ça perd l'hypopète, j'ai trouvé. Je vais aller boire un café. Putain. Bon, allez, on y va. Bon, comme le dit mon ami Fredo, SDF non consentant, le moment de l'universalité, non, c'est pas ça, non, le moment universel et incontournable de l'être humain, c'est quand... Oh putain, j'arriverai pas. J'arriverai pas, bordel. J'ai plus que 2 semaines avant le spectacle, 2 semaines, bordel. Bon, allez, je vais aller me détendre un petit peu, un petit sac. En fait, puisque vous me suivez partout, l'addition, c'est pour vous. Ah, spectacle. Ah, je me suis endormi, putain. Ah, vous êtes encore là, vous? Ah. Ah, vous voyez, même Balou, il est un idéal. Ouais, avec une philosophie en plus. Il m'en faut peu pour être... Oh, j'arriverai pas. Oh, autant dormir. Bon, allez savoir pourquoi l'être humain cherche toujours à se différencier de son prochain. Bon, sauf les jeunes, bien entendu. Hein, bon. Ils s'habillent tous en Prada, tous en Gucci, tous en... Putain, mais j'avance pas, merde, j'avance pas! Attends. Bonjour. Attends, ne coupe pas, je te rappelle. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Comment tu t'appelles? Priscilla. Je peux t'offrir un morceau de pain? Ah ouais, mais l'ami, je préfère l'ami. L'ami? Oui. Tu aimes l'ami? Oui. Mais t'étais où? Mousse, le sketch, le spectacle! Eh, hey, ça va, tu vois pas que je me détends? Oui, bah tu bosses. Bon. Tiens. Mmh. C'est pour toi, elle est bonne, hein? Ah ouais. Mmh. C'est comme toi. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit. De pain. Bonne nuit de pain. Hein, Priscilla? Eh! Hey. On est là pour quoi? Pour bosser? Eh, hey, ça va, je me détends! Ça va, je vais le finir le spectacle, je vais le finir! Mais m'emmerde pas! Mmh. En attendant, t'es toujours au même point. Bon, père, on y va. Putain, vous êtes encore là, les mecs, putain, c'est pas possible! Bon, voilà, regardez, hop, tu vois, regarde, hop, point! Ça y est, j'ai fini. Ça va, ça sera fini à temps, il est quoi? Il est 17h30, ça va, 17h30, on est dans les temps, bordel de merde. Bon, écoutez, je vous en fais une, hein, tiens, voilà, pourquoi en Côte d'Ivoire, seulement les femmes conduisent? Parce que les hommes sont des Ivoiriens. Allez, bien, hein. Bon, allez, rejoignez-moi sur la plage, je vous en fais une. Je vous avais dit que je vous retrouverais. Je voudrais vous parler des dons. Les dons de la nature. Les femmes ont été largement favorisées, oui. Comme s'il y avait eu du copinage ou un truc comme ça. C'est vrai, ne dit-on pas dame nature? Dame nature. Sans compter donner la vie. Vous voyez qu'il y a du copinage. Il y a un certain favoritisme quand même. Hein. Ou bien l'instinct maternel. Sans parler de la fameuse intuition féminine. Il n'y a rien, il n'y a pas du copinage là. Eh ben nous, les mecs, ces dons-là, ça nous a fait chier. C'est pour ça qu'on a inventé un truc super. La mauvaise foi.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis quoi? Bien sûr, je l'ai allumé le four, qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai allumé! Qu'est-ce que tu... La télé? Mais je regarde pas la télé, le foot, j'en ai rien à foutre, moi! Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, mais le faire à passer, quoi? 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 Faire à passer? Mais tu l'as mis dans ton sac en partant! Mais ça va pas ou quoi? Oh là là, mais c'est quoi ça? Hein? Merde! Merde, merde, merde! Oh! Et c'est vrai que vous avez trouvé une parade superbe, vous les femmes. Une superbe parade. La muraille de Chine. Un véritable bouclier nucléaire. Le fameux mal de tête. Oh, chérie, je peux pas ce soir. J'ai mal à la tête. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Bon, bah ça, c'est qu'un aperçu. Attention, hein. Le prochain, je vous éclate là-bas sur la plage. D'accord? Ah! Hey! Un autre proverbe. Nul n'est prophète dans son pays. Ce qui veut dire. Va voir ailleurs, casse-toi pauvre con, surtout si tu as un sans-papier. Allez, monsieur. Quoi? Attends. Et c'est qui le plus français de nous deux? Ah, c'est vrai. Ouais. Hey! Un proverbe que je déteste avant tout, c'est. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Non, c'est pas drôle. Non, pas du tout. Non. Mais il y en a un autre que j'aime bien qui réalise advienne que pourra. Ce qui veut dire démerdez-vous. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi encore? Merde. Alors, quelle heure il est? 19h10, t'es encore là? Putain, merde, on a tout fait. La plage, la piscine. T'es pas éclaté? T'es pas éclaté encore pas assez? Oh bordel! Ah, je suis là pour me détendre, moi, c'est fini. On a fini, fini la journée, coupe ta caméra. Hein les filles? Hein, ça va? Ah. Ça va. Allez, venez, on se détend. Ah, ah, tu vois? Allez, coupe, on se revoit au spectacle. Tu vois? C'est ça d'être naturellement humain.